Donc, quoi tu on tient une réponse à mon tour, qu'est-ce que tu as dit, tu as dit, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez dit tout à l'heure vous aviez fait rapport à Yeng Sary concernant la famine que vous aviez pu constater sur le terrain lors de certains voyages que vous aviez effectués à l'intérieur du Cambodge démocratique. Est-ce qu'à la suite de ce rapport fait au ministre, y a-t-il eu une nouvelle politique élaborée? មូលដ្ឋានត្រូវមានឲ្យបាយប្រជាជនហូបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទី2ការដែលត្រូវចោទថាអ្នកណាអ្នកណាមានទោសយ៉ាងណាយ៉ាងណាត្រូវឲ្យទៅតាមថ្នាក់ 7 ថ្នាក់ ថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ភូមិភាគថ្នាក់ប្រទេសនិងថ្នាក់មជ្ឈិមសម្រេចបានquand vous dites que s'agissait d'une décision, par exemple, concernant l'accusation d'un délit, s'agissait-il d'une décision d'exécution, pour être précis? มันแม่นสำหรับទៅสำหรับចោលទេគឺខ្ញុំនិយាយថាត្រួតពិនិត្យឲ្យបាន 7 ថ្នាក់ Monsieur le Président, je voudrais m'en référer à un document, un procès-verbal d'audition D91-14. Et je vais vous donner les numéros d'IRN. En Khmer, 0020-40-97. En français, 0050-39-36. Et en anglais, 0036-10-11, si on peut afficher ce document à l'écran avec votre autorisation.
Khmer, je répète, 0020 40 97, et c'est plutôt vers la fin de la page. Je vais faire une rectification, Monsieur le Président, en anglais. C'est la page 0022-35-93, plutôt que celle que j'avais citée auparavant. Alors, dans le milieu de cette réponse, donc vous parlez du fait que vous avez accompagné les visiteurs à Siem Reap, et je cite, à cette occasion, j'ai pu me rendre compte que la population était confrontée à des difficultés extrêmes. Durant ce voyage, j'ai pu revoir mon père, à Kampong Thom. Il s'est lui aussi retrouvé dans la plus grande adversité. Une fois de retour, j'ai rendu compte à M. Yeng Sari des difficultés de la population. M. Yeng Sari, à son tour, en a rendu compte au comité central. À partir de ce moment précis, le comité central du parti a élaboré une nouvelle politique qui disait que le cadre qui donnerait à manger de la soupe de riz à la population, ce cadre en question était un traître à la population. La décision de l'exécution d'une personne quelconque dans la population n'était possible qu'à condition d'avoir une décision qui était prise à l'échelle du village, de la commune, du district, de la région, de la zone, et par trois membres du comité central du parti. Voilà, monsieur le témoin, est-ce que vous confirmez les termes de ce procès verbal? Merci. Il s'agissait d'une nouvelle politique qui semblait être plus restrictive que ce qu'il y avait avant. Sinon, ce ne serait pas une nouvelle politique. Alors, quelle était la politique qui était appliquée avant cette nouvelle politique en matière de déterminer qui était traître ou de décision quant à l'exécution d'une personne? Pour la nouvelle politique, vous avez dit qu'il y avait sept échelons qui devaient donner leur accord. Vous ne savez donc pas, pour l'ancienne politique, combien d'échelons étaient nécessaires? Merci. Je voudrais maintenant poser quelques questions de clarification concernant le rôle de M. Kyusampan. Vous avez dit à l'audience que tant Kyusampan Kupan occupait des fonctions au bureau 870, ce n'était pas, je crois, tout à fait clair pour tout le monde quelles étaient précisément la différence entre les responsabilités de ces deux personnes au sein du bureau 870 lorsqu'elles travaillaient ensemble. Som banchak tha totul kho trou nu vie mon chi tram trou ponman te vie kran ta tha ឃើញ នៅ ក្នុង មន្ទី នោះ ហើយ ខ្ញុំ មើល ឃើញ មន្ទី នឹង ហើយ ខ្ញុំ យល់ ឃើញ ថា ទទួល ខុស ត្រូវ ទៅ ពាក្យ ថា ទទួល ខុស ត្រូវ ទៅ ប៉ុន្តែ បើ ខ្ញុំ ពិចារណា មក ថា ទេ ពាក្យ នេះ មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ទេ
pia tới chui chui nhóm bàn cài tầm rơi pi môn màu hơi chui chui thuê ni chui thuê nu ai pia tha tật tua khó trâu nâng đôi thao về chọp tới pia nó dù bái đôi về thông quân pê nhóm mơ tha tật chui ai pê nu tiết có kê mân bàn prap nhóm tha nè ni thả nạ ni thả nạ nu ấy ai nhóm đăng tê ọt bàn đăng tê nhóm này dây thật là tuôn khó trời, thật tuôn khó trời dân tư. Ní tì mùi. Tì bì, bọn khiêu xâm phòn. Nơi khăn ông môn tì nu. Nhóm bịa thà, dây bịa thật là tuôn khó trời nu. Đôi nhóm bàn chùm riêng mạnh chân. Mình đăng chìa miên phía đạ cách ấy tê. Bầm bay rồi chất, làm đăng. Tại khăn ông bầm bay rồi chất ấy, kì hai ta bầm bay rồi chất tăng ọ khăn nhé hơi, chìa tu tư cho nọt nu. Tì bầm bay rồi chất, nè nà khăn ông tì bầm bay rồi chất nâng cư sớt, nè bầm bay rồi chất à tăng o nâng. À nâng tùm lọp nì dây. Đôi chân nè, dô bịa tùm lọp nì dây, dô mò chìa bịa bàn ca khăn ông bê là lâu ní. Khăn ông khơi anh thao cổ vía, vía mân sát xa nụ mát, vía mân dụt tì thoát đài. Đôi chân nè, khăn ông dây bịa thật. Chui tớ, chùm nuôi ca ấy nhắn tớ, khơi anh quát. Chui tay rương cặp bách cặp bốc. Chạy ni chạy nu tay bản nô. Entre les deux, qui s'occupait des affaires à l'extérieur, des affaires à l'intérieur? Nẹ tàng pi nu miên chmua ấy. Pardon, je reviens à la question initiale qui était Khieu Sampan et Pang. Est-ce qu'il y en avait un qui travaillait plus à l'extérieur et l'autre peut-être plus à l'intérieur ou non? Lok Khieu Sampan neu tae khang khnong phiek chraen. Nhóm tự chuộc mà đo mà cá khơi thì còn được càng khăn ông tê. Càng cái còn tới nào nhóm mình đang tê. Nụ bóng à, bàn tư càng cái khơi chi mà tô, tư ni tư nu. Khơi thì tam lâu tê. Donc vous avez rencontré Khieu Sampan au bureau 870, c'est cela? Bad. Et vous l'avez également rencontré quand il venait parfois au ministère des Affaires étrangères. Vous nous avez dit, je crois que c'était lundi, qu'il venait pour les questions de tickets d'avion. កសួងការបរទេសខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាសម្បត្តិក្បាលហោះអញ្ចឹងលោកធ្លាប់ឃើញគាត់ទេនៅពេលធ្លាប់ជួបគាត់ទេបាទធ្លាប់ជួបគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងគាត់ទេគាត់ជួបខាងផ្នែកបញ្ញាជនតាក់ទងខាងបរទេស Est-ce que Khieu Sampan est venu au ministère également pour obtenir des informations qu'il aurait pu utiliser dans des discours? Monsieur le Président, je voudrais montrer la réponse 30 qu'a donnée le témoin dans le document D369-36. Si j'ai l'autorisation de le projeter à l'écran et de lui montrer. Merci.
Donc la réponse 30. Merci. Alors, la question était de savoir, lorsque M. Kyu Sampan est venu travailler en remplacement, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Vous avez répondu à la réponse 30. Il venait chercher des informations, il se demandait quels étaient les thèmes à traiter dans les discours. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Monsieur le témoin? Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Est-ce qu'il venait demander ces informations également quand Yang Sari était présent? Merci. Je voudrais maintenant revenir un petit peu en arrière et à la période qui précède avril 1975, toujours concernant M. Kyu Sampan. Avant avril 1975, quel était le rôle exact ou les fonctions précises de Kyu Sampan dans la révolution? Lorsqu'il était dans le maquis, est-ce qu'il travaillait pour le front ou travaillait-il pour le Parti communiste cambodgien? Oui, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à l'ensemble de la Chambre et des partis. Une objection sur la question de M. le procureur, qui est particulièrement directive. Je pense qu'il faut qu'il la reformule. Pour ne pas perdre de temps, je vais d'abord poser la première question. À votre connaissance, quels étaient les rôles et fonctions précises de Kyu Sampan dans la révolution avant avril 1975? Ça n'a pas été tout à fait clair précédemment. Hier, vous avez confirmé la teneur de la réponse 39 du document D-369-36 et notamment vous avez dit qui était exact, que vous aviez dit devant les enquêteurs que lorsqu'il est entré, on parle de Kyu Sampan, lorsqu'il est entré dans le maquis au début, il a travaillé dans un bureau intitulé le bureau du front. Ce n'était pas un bureau du comité central, pourtant il faisait des allers-retours au bureau du comité central. Ça, vous l'avez déjà confirmé hier. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous voulez dire par bureau du front? Qu'est-ce que c'était ce bureau du front? ពេលនោះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងការពារខ្ញុំដឹកនាំទៅធ្វើមន្ត្រីមាន
Bah. Donc, est-ce que c'était en rapport avec le front, le front uni du Cambodge, ou bien c'était juste pour dire le bureau de devant? Rachana Sampuan Ruka Tiatong, Roving Renatse, Nung Renatse, Bokulna, Bokulna, Kanyom Otman Dangte. Kangi Nana Dung Dung Takangi Ain Banai Nichi Trus Day Dam Bay Ka Pia Santa Sok Room Et pouvez-vous nous dire alors qui travaillait à ce bureau du front? Khnyom cham mon chba pon tae doi chie esara chun samkhan samkhan khla doi chie phlech chmuoh te tiet Où étaient situés ces emplacements, les emplacements des bureaux du front et du bureau du comité central? Khnyom dang ruom ruom tha nou prum daen kapong cham kapong thom aem ti rana se nou chngai pi mti khang mchem trou thua damnao bhael pi thngai Bạn đòi. Merci. Alors je vais simplement revenir sur ce que vous aviez dit sur le bureau ou plutôt la maison ou la hutte de Kim. Lorsque vous étiez là-bas, vous étiez, si j'ai bien compris, garde du corps de Pol Pot. Lorsque vous êtes allé dans la commune de Pim, à l'ouest de Udong, et vous avez accompagné Pol Pot, est-ce que vous avez vu Khieu Samphan venir sur place et assister à des réunions? Somto, nhom chba ei kum, kum nang yam ei kum. Chmuh kum mình, luk thak chmuh kum á. Non, non, je voulais parler de la commune, enfin de l'endroit qui s'appelait Pim. Vous avez en fait mentionné plusieurs noms de villages à l'ouest d'Udong. Vous êtes resté avant l'attaque sur Phnom Penh avec Pol Pot. Et je voulais savoir à cet endroit si Khieu Samphan était venu sur place tout d'abord et s'il avait participé à des réunions sur place. Khnyom khoeng bong Khieu Samphan thlop nou
ហើយការប្រជុំមិនមានជាការប្រជុំអីធំដុំទេខ្ញុំឃើញគាត់ជួយធ្វើជីជីហ្នឹងមិនជីក្រុមសេវឲ្យតាមើធ្វើតាមជីទេហើយការប្រជុំក៏ខ្ញុំដឹងប្រជុំអីដែរបាទ Est-ce que M. Khieu Samphan avait des responsabilités en matière militaire avant l'attaque de Phnom Penh, sur Phnom Penh? Mình miên tế. Pourquoi s'occupait-il de listes de munitions s'il n'avait rien à faire avec les affaires militaires? Est-ce que vous avez vu également Nun Chia venir au même endroit pour rencontrer Pol Pot dans cette même commune? Saviez-vous s'il existait d'autres bureaux, ou plutôt d'autres maisons du parti, ou bien des bases militaires près d'Oudong? Du début de 1975 jusqu'à l'attaque finale de Phnom Penh. Khmien ktom ta na tiet te mien tai muay. Dans cette maison, combien de personnes travaillaient au service de M. Pol Pot? Mien kapia pinea tai pano. Khnyom som chumriep. ទីនោះມັນមានព្រៃទេព្រៃល្បោះបើសិនជាហ៊ានធ្វើអីធំដុំខ្ទេចហើយអាត្រង់ជ្រូកមកលេងអស់ហើយដូច្នេះស្រាលហើយស្ងាត់ហើយចល័តជាប់ Est-ce que Chim, qui plus tard a travaillé, vous avez dit comme adjoint, comme votre adjoint au ministère des Affaires étrangères, a également travaillé sur place avec vous auprès de Pol Pot? Chim, tu m'as dit, tu es né de ça, rock tray, rock side. Et il était, Jim était le messager de qui à ce moment-là? គាត់ធ្វើនីរសាររបស់មន្ទីរ 807
Lorsque Pol Pot et les autres dirigeants sont partis pour Phnom Penh, vous avez dit que vous aviez continué à garder la maison pendant leur absence. Pourquoi était-il important de garder une maison alors qu'ils étaient déjà partis? Surtout que c'était une hutte. Merci, je comprends. Vous avez dit à propos de la prise de Phnom Penh. Devant cette chambre, vous avez dit que vous aviez entendu des soldats qui parlaient du fait que des milliers d'espions s'étaient infiltrés à Phnom Penh et pouvaient conduire des actes de sabotage. Quand et où avez-vous entendu ces soldats qui en parlaient? ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស៊ើបការខាងចារកម្មទេខ្ញុំមិនអាចស៊ើបអីដឹងថាគិញនឹងនៅទីណាទីណាទេក៏ប៉ុន្តែជាច្បាប់តាមខ្ញុំយល់ខ្លះៗទេមកដល់ឥឡូវទេបាទខ្ញុំយល់ពីដើមខ្ញុំមិនយល់ទេជាច្បាប់ឯងមើលទូរទស្សន៍មើលអីទៅទៅចារកម្មនឹងអឺរ៉ុបនឹងគឺផ្កាឥឡូវវាចេះធ្វើកប៉ាល់ហោះទៀតនោះអត់មានមនុស្សជិះទៀត ហើយជំនាន់ខ្ញុំនឹងអត់មានទេទូរស័ព្ទសូមលោកជ្រាបបើលោកសួរអញ្ចឹងវាមិនយល់ពីរឿងពីដើមរបស់ខ្ញុំទេសូមទោសលោកខ្ញុំប្រតិកម្មបន្តិចសូមអភ័យទោសបាទ Quand vous avez entendu ce bruit qu'il y avait des milliers d'espions infiltrés à Phnom Penh, est-ce que vous auriez aussi entendu que c'était un des motifs pour lesquels la ville avait été évacuée? ប្រជាជនចេញពីទីក្រុងគឺមូលហេតុពីរឿងនឹងឯងគឺថាច្បាស់ជាមាននយោបាយចាញ់របស់លោកលន់នល់ហើយនយោបាយចាញ់នេះគឺដើម្បីស្ដារឲ្យឈ្នះវិញគឺត្រូវប្រើចារកម្មសម្ងាត់បង្កប់នៅក្នុងក្រុង Est-ce que l'évacuation s'inscrivait peut-être aussi dans le cadre d'une politique du parti visant à l'égalitarisme et à l'abolition des classes et des privilèges des classes capitalistes féodales, etc. Est-ce que vous avez entendu ça? ខ្ញុំមិនលឺពាក្យដែលលោកនិយាយនឹងទេលោកនិយាយនេះគឺថាសួរខ្ញុំខាងទស្សនវិជ្ជាវិញហើយគឺខ្មាំងមកទៅធ្វើម៉េចមានវិធានទីអីយ៉ាងម៉េចគឺថាខ្ញុំពិបាកឆ្លើយ Merci. Je vais être plus concret et revenir maintenant au ministère des Affaires étrangères pour quelques instants et à la période avril 75 jusqu'à janvier 79.
Est-ce que durant cette période, le ministère des Affaires étrangères a appelé les intellectuels cambodgiens qui se trouvaient à l'étranger à rentrer au pays? Somme l'eau bencia, chat sa pram, chat sa pambouane, n'aimé. N'aimé l'eau de chat sa pram, chat sa pambouane, j'en ai. Oui, j'avais dit simplement, j'avais ouvert la question de savoir, durant toute cette période, et spécialement alors au début, où le ministère a fonctionné durant les deux premières années, est-ce qu'il y a eu un appel lancé aux intellectuels cambodgiens qui vivaient à l'étranger pour rentrer au pays, pour aider le pays? Ni mon chet se pram rue. Non, non, bien sûr. Après que le ministère des Affaires étrangères ait commencé à fonctionner, est-ce que le ministère des Affaires étrangères, dans lequel vous travaillez avec M. Yeng Sary, est-ce qu'il y a eu un appel qui a été lancé par le ministère à l'intention des intellectuels qui résidaient à l'étranger? Tam nhom đấng đôi khmien lư om piêu niêu ấy tí. Cứ tam đài nô na sma chật máu cứ kì màu. Vous aviez mentionné plus tôt, je crois que c'était lundi, que vous aviez fait un voyage avec M. Yeng Sary vers les États-Unis pour assister à une assemblée générale, je crois, des Nations Unies. Est-ce que, à l'occasion de ce voyage-là, ou d'un autre voyage, vous vous êtes arrêté à Paris pour rencontrer des Cambodgiens qui résidaient sur place? Est-ce que cela s'est produit une seule fois ou plusieurs fois? Lors de ce passage à Paris, de cette réunion avec les Cambodgiens qui étaient sur place, qu'a dit Yeng Sary à propos du régime du Cambodgia démocratique? Qu'est-ce qu'il a présenté comme information aux Cambodgiens qui souhaitaient savoir ce qui se passait dans le pays? Khnyom ot ban dang te khnyom neak meul vali. À votre connaissance, combien d'intellectuels ou d'étudiants khmers qui résidaient à l'étranger sont-ils rentrés? Combien d'entre eux sont-ils rentrés avec ou sans leur famille au Cambodge entre avril 1975 et début 1979? Est-ce que je peux vous
vous demander de répéter votre réponse parce qu'elle n'a pas été entendue par les interprètes. Merci. Khnyom plech oh hai. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire dans le document D91-14 que je voudrais montrer à l'écran à la page en Khmer 00-20-40-97 et en français 00-50-39-36. Il y a une particularité, il n'y a pas de traduction anglaise, il manque une partie du procès-verbal en anglais. Cette question n'a pas été traduite, et ni la réponse. C'est juste une petite phrase que je voudrais, Monsieur le Président, rappeler à Monsieur Thémon. Donc la question portait justement sur ce retour des étudiants khmers ou des intellectuels. Et vous avez répondu, il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui sont revenus. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça? Qui était en charge d'accueillir ces intellectuels à leur arrivée à Pochentong? Mok dol krong khang pong ai khang sampheria ke yo mo tuk neu kasuang ka borate merci alors je vais reprendre exactement la même page en khmer, le même document, D91-14. Et il n'y a toujours pas d'IRN en anglais, mais en français, c'est l'IRN 00-50-39-36. Et en khmer, 00-20-40-90-97. Et je crois que vous avez le document, donc je vais lire ce que vous aviez dit. C'était une question donc, concernant le rôle de l'Inksari qui aurait lancé un appel en direction des étudiants khmer à l'étranger. Et la réponse est la suivante, celle que vous avez donnée. Il a appelé les intellectuels et les étudiants qui étaient à l'étranger pour qu'ils reviennent au pays et pour qu'ils participent à la reconstruction du pays. Ça, c'est vrai. À ce moment-là, j'étais en charge de l'accueil de tout ce groupe à l'aéroport de Pochentong. Il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui sont revenus. Tous ces intellectuels sont allés habiter au bureau de Bum Phavik. Donc, Hing était le responsable. Puis vous mentionnez que Pang était aussi un responsable. Est-ce que c'est plus clair maintenant, est-ce que vous voulez me dire si vous confirmez cette déclaration? Merci. Merci.
ចាំនៅពេលនោះគឺថាគាត់ថាបងប្អូនណាបងប្អូនជាក់ស្ដែងខ្ញុំគេថាបងប្អូនចង់ចង់ចូលស្រុកប៉ុន្តែម្នាក់ពីរនាក់ទេមកនិយាយលោកប្រាប់ទៅវិញថាអូពិបាកណាកំអាលអីអីកំអាលទៅអី គេក៏ថាទេពិបាកមិនអីឡើយក៏ទៅដែរនេះខ្ញុំចង់ថាអំពាវនាវនឹងរបៀបអញ្ចឹងណារូបភាពអំពាវនាវនឹងវាអញ្ចឹងទេមិនដាក់មីក្រូដាក់អីទេបាទមីក្រូមីអីឬបោះអរ៉ែងគេហៅថាកាសែតឬក៏ឃោសនាអីធំដុំទេអត់ទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាណូណាចង់មកក៏មកទៅ ប៉ុន្តែពិបាកបន្តិចហើយមិនទាន់រៀបចំអីស្រួលបួលទេនិស្សិតអត់ទៅនោះខ្លះថាទេមករួមណែមករួមដូច្នេះមកដល់អ្នកខ្លះមកហ្នឹងទៅតាមកប៉ាល់ហោះអញ្ចឹងទៅការតាក់ទងអីជាមួយប៉ង់ដូចខ្ញុំបាននិយាយលើកមុនអញ្ចឹង Merci. Que faisait-on des documents de voyage, c'est-à-dire des passeports de ces personnes, une fois qu'elles mettaient le pied à Pochinton? ពញ្ញាហានីខ្ញុំមិនដឹងទេខាងសន្តិសុខខាងយោធានៅពូចន្ទងពេលនោះគេដឹកជញ្ជូនទៅណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែសំភារៈរបស់គេគេយកមកទុកនៅក្រសួងការបរទេសមានអីមានអីមិនដឹងទេអត់ហ៊ានឆែកមើលទេទុក Et pourquoi fallait-il prendre leurs effets personnels à leur arrivée? ខ្ញុំមិនដឹងហេតុផលអីដែរឃើញតែគេយកមកទុកនៅក្នុងគេប្រាប់ថាសាអីស្រួលខាងខ្ញុំហ៊ានបើកអីមើលទេ Je viens de lire votre déclaration qui disait que ces intellectuels étaient envoyés à Bang Trabek sous la responsabilité de M. Ping Hun. Est-ce que certains de ces intellectuels ou étudiants Khmer auraient échappé au transfert vers Bang Trabek pour intégrer directement le ministère des Affaires étrangères? Concernant les intellectuels que M. Yangtze-Ri avait déjà rencontrés auparavant en Chine, est-ce que certains d'entre eux ont travaillé au ministère des Affaires étrangères par la suite? Et à qui était confié alors ce
qui n'étaient pas venus au ministère des Affaires étrangères. Nhóm thì dây ní cứ thà ca tẹt tông đẹp toa môn kê lục ân dập hiệp ní. Đó kê mò đó băng tập bạch hơi bàn kì chay. Lục bằng nâng vô mau nè ní nè nu. Mình đang chay nâng chay tam ca bà chung ấy giang mấy nhóm mình đang tê. Đó mà chô khăn ông cờ xuông ca bò đà tê. Khơi mà nhạc bì nhạc, dù dù mà nhạc bì nhạc nâng chê tì chôl mau. Tài bọn nâng tê. On a parlé de Bang Trabek tout à l'heure. Pourquoi fallait-il envoyer ces intellectuels à Bang Trabek? Pouvez-vous nous donner des raisons de ce une forme de rééducation pour qu'ils se forgent, qu'ils fassent leur preuve? Nous avons dit ខ្ញុំ អត់ ដឹង រឿង ការ ងារ គេ ទេ ខ្ញុំ ដឹង តែ រឿង ការ ងារ ខ្ញុំ Est-ce que Yang Sari vous-même est allé à Bang Trabek? Et si oui, quand? Bang Trabek ដែរ ឬ ទេ ហើយ បើ សិន ជា ធ្លាប់ ទៅ នៅ ពេល ណា ដែរ Nhóm ọt skol băng trọ bạch tê. Nhóm skol băng trọ bạch. Tam nhóm chấm. Tư cho mùi bọn yên xe rí. Nâu pêl bà hai chìa. Mình đo cả lạc hai thế. Duôn chôl sọc. Est-ce qu'il y avait un lien entre Bang Trabek et le ministère des Affaires étrangères lorsque Pang dirigeait Bang Trabek, du fait que c'était des intellectuels qui travaillaient sur place? Nhóm mình bàn khơi ca tẹo tồn thì Est-ce qu'il y aurait eu des cadres du ministère des Affaires étrangères qui seraient allés sur place à Bang Trabek pour enseigner ou endoctriner des intellectuels qui y travaillaient avant que Bang Trabek soit placé sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères? Tam khnyom cham ot mien te sa sai ma ton chloi som jey lok mitavi thank you for mr president perhaps the question could be rephrased so it doesn't call for speculation I would most appreciate som don ni lang mynh dambei kom oy sa sai nung kot chloi doy sman sman baep ni som okun Je demande si monsieur le témoin a connaissance du fait que certains cadres auraient pu se rendre à Bang Trabek lorsqu'il était placé sous la direction de Pang pour y rencontrer ou endoctriner les intellectuels. Est-ce qu'il en a connaissance ou non? Mr. President, if I may, just very quickly, I would appreciate if the gentleman
would be very careful. His first question called for speculation. Now he's talking about a fact and about awareness. Is he rephrasing the question, or is he suggesting that that was his initial question? Because it gives the impression that somehow the objection that was raised is somehow improper. So if he is rephrasing, then he should tell us that he's rephrasing. And also he's claiming that this is a fact. So this is the counsel leading the witness or testifying. Je vais passer à une autre question, Monsieur le Président. Il reste peu de temps. Lorsque Yeng Sary est allé à Bang Trabek, qu'a-t-il fait sur place? Đội khi nhóm ban chủ nhiệm, khi nhóm tới chủ mui lâu. Không phê đai mình lơ pi pi ở tết tê đại duân châu sâu quạt tư ni quạt tư đam bay riệp châm bong phôn cầm oi tọ slot hơi triêm pê na dương tục tuôn mình bán dương trời tay chùm lia hơi quật và túc và đạc nhóm ở nhóm tờ tuôn khô trời chùm lia và chia chuôn ở nu Est-ce que vous avez reçu à la fin 78 ou début janvier 79 des instructions de Yeng Sary concernant l'évacuation des intellectuels de Bon Trabek? Monsieur le Président, je n'ai plus que deux questions. Mais je voudrais simplement montrer, avec votre permission, ce que M. le témoin avait dit à ce propos dans le document D91-14, à la page en Khmer 00-20-40-97 et en français 00-50-39-36. Merci beaucoup. Je signale encore une fois qu'il n'y a pas de numéro d'IRN en anglais. C'est une partie du procès-verbal qui manque. Je vais lire ce que monsieur avait dit à ce sujet. Il a dit ceci. Lorsque les Vietnamiens étaient sur le point d'arriver, monsieur Yeng Sary m'a demandé de rassembler tous ces intellectuels et de les faire monter dans le train qui devait partir vers l'ouest. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, monsieur le témoin? Pourquoi était-il important que ces intellectuels suivent les Khmer Rouge à l'époque au moment de la fuite? Qu'est-ce que c'est que
อดบังคอมเต้ Merci. Alors dernier extrait, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Puisque Monsieur le Témoin a dit qu'il n'y avait pas de lien entre Bang Trabek et le ministère avant que Bang Trabek et le ministère. Bang Trabek passe sous la responsabilité du ministère après la mort de Pang. Alors, il s'agit du document D233-2, en français 00-54-54, en Khmer 00-35-75-78 Avec votre autorisation, si on peut projeter cette question, cette page à l'écran. Merci, Monsieur le Président. Alors voilà, la question qui était posée était la suivante. Dans le passé, M. Hing Hoon avait-il géré Bang Trabek avec les dénommés Pang ou travaillait-il dans différents endroits? Donc on est bien dans le passé. La réponse est la suivante. M. Hing Hoon était un intellectuel. Il gérait également Bang Trabek avec M. Pang. À ma connaissance, il n'existait qu'une seule unité de Bang Trabek. M. Hing Hoon faisait des rapports au ministère des Affaires étrangères. Quant à l'administration, c'était M. Pang qui faisait des rapports au comité central, qui était en rapport, par exemple, avec les questions d'arrestation, de provision. M. Hing Hoon n'avait aucun droit, il était simplement un coordinateur. Il n'avait ni le droit politique, ni le droit organisationnel. Pourquoi M. Hing Hoon faisait-il rapport au ministère des Affaires étrangères lorsque Bang Trabek était sous la responsabilité de Pang, s'il n'y avait pas de lien? ការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ង់ទេហើយក្នុងខណៈដែលលោកនិយាយថាពុំមានទំនាក់ទំនងអ្វីរវាងច្រាំងចម្រេះហើយនឹងបង់តបែកហើយនឹងក្រសួងការបរទេសនេះបញ្ហានេះខ្ញុំដឹងក្រោយដែលយួនចូលស្រុកខ្ញុំជួបនឹងលោកហេងអ៊ុនលោកហេងអ៊ុនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទឯខ្ញុំពីមុនមកគ្មានតំណាក់តំណងអីតាក់ទងនឹងរឿងបឹងតបែកនិងក្រសួងការបរទេសទេដូច្នេះខ្ញុំដឹងក្រោយដែលយួនចូលមកទេបានស្គាល់លោកហេងអ៊ុនច្បាស់នោះបាទMerci beaucoup monsieur le témoin, j'en ai terminé avec mes questions. Et merci aussi Monsieur le Président, de nous avoir accordé un peu plus de temps ce matin. បានផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមឲ្យយើងនៅព្រឹកនេះសូមអរគុណ។បាទអរគុណលោកតំណាងថាបញ្ញាអរគុណលោកមេធាវី។នឹងសាក់សីឥឡូវនេះដល់ពេលសំលមមសម្រាប់បីភាសាថ្ងៃត្រង់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរខ្ញុំរះប្រកាសផ្អាកដើម្បីសម្រាប់ដើម្បីភាសាថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង1:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការហើយសូមឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការសម្រាប់រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំសម្រាប់សាក់សីសម្រាប់នៅបន្ទប់រៀបចំសម្រាប់សាក់សីហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់និងមេធាវីប្រឹក្សាមកកាន់កន្លែងប្រតិកម្មនៅរសៀលនេះនៅម៉ោង 1:30 នាទីសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីThank you, Mr. President. I'll be brief.
My client is waiving his right to be present in court this afternoon and he's requesting permission to follow the afternoon session from the holding cell. សូមអញ្ជើញក្រុមជួយ